Studio vlog assez particulier parce que je réouvre ma boutique demain. J'ai trop hâte, je suis vraiment trop contente. Ouais, j'ai trop hâte de l'ouvrir parce que c'est vrai que ça fait assez longtemps que j'ai travaillé dessus. J'avais commencé à filmer déjà la semaine dernière pour vous montrer un petit peu les derniers préparatifs. Je pense que je vous en parlerai, je vous ferai quelques inserts parce que c'est vrai que je suis pas trop satisfaite de la manière dont j'avais filmé. Je crois que c'était vendredi. Bonjour! Je suis trop contente de vous retrouver dans un petit vlog. Je viens de récupérer des enveloppes. Je vais vous poser quelque part d'autre. On va ouvrir ça ensemble et on va un petit peu discuter de ce qui se passe. Parce que je ne sais pas si ça se voit sur mon visage. Les amis, je suis de très bonne humeur. Parce que je peux enfin annoncer une date de réouverture de ma boutique. Et normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, je la réouvre. Ce qui signifie que je vais pouvoir préparer des commandes. Je vais pouvoir faire des studio vlogs, préparation de commandes. Et je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop contente. J'ai récupéré du coup les papiers de chez Noishu. Regardez ce que je viens de récupérer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut que vous regardiez mon vlog précédent. Je suis tellement excitée à l'idée de l'ouvrir. En plus, je ne sais pas si c'est... je sais pas si un truc s'est renversé dans le camion ou si c'est le mec ou si c'est le colis. Mais le colis, il sent tellement bon. Il sent la vanille. J'ai jamais vu un colis qui sent la vanille. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Vraiment trop jolie. Ah d'ailleurs, quand j'ai passé commande, j'ai planté un arbre avec ma commande. Je suis vraiment super contente. Mais j'ai pas l'impression qu'on a 1000 dedans. Enfin, j'ai l'impression qu'on a moins. Bon, après ça va être hyper fin. Du coup, je vais regarder ça. Ah mince, pourquoi c'est découpé ici par contre? Oh, oh non. Putain. Oh merde. C'est coupé. Mais en fait, le colis, il était coupé. Oh merde, j'aurais dû faire une photo du colis avant de l'ouvrir. Oh non! Bah, il y a certaines feuilles qui sont coupées. Franchement, c'est le genre de truc que je pourrais pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer, là, maintenant. Mais non, putain. Ah, oh, ça m'énerve. Non, pas de vulgarité sur Internet. Ça m'énerve. Mais en fait, ah, oh, bon. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais le colis, il était coupé là. Mais j'ai cru que c'était fait exprès. Et en fait, ben... Du coup, les premières feuilles, elles sont coupées. Voici mon papier de soie. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus foncé, par contre. Je pensais vraiment qu'il allait être noir et pas genre gris comme ça. Bon, après, c'est normal aussi, vu que c'est très fin. Mais je suis contente. J'ai hâte de tester sur l'illustration. Je suis très contente. Je suis juste déçue que ce soit coupé sur les premières. C'est trop bizarre. À part ça, je suis très contente. Voilà. Et du coup, hier, j'ai commencé à faire un petit peu les premiers pliages pour voir comment est-ce que je pouvais faire ça. Pour être honnête avec vous, si je dois refaire des emballages sur ce site, je pense pas que je ferai des motifs qui soient aussi grands. Je ferai très certainement des motifs plus petits et répétitifs parce que, étant donné que ce sont des feuilles qui sont vraiment très grandes à partir du moment où je plie, je trouve qu'il y a beaucoup de motifs qui apparaissent par transparence et ça marche pas aussi bien que si c'était un motif répétitif. Bon, après, on peut toujours améliorer par la suite, mais je vous donne ce conseil si jamais ça vous intéresse de passer par Noishu. Normalement, je suis encore censée récupérer des enveloppes que j'ai pas eues. Je les recevrai en fin de semaine, mais je vais quand même ouvrir ma boutique demain parce que je peux pas attendre jusqu'à la fin de semaine. Là, ça commence à faire vraiment trop longtemps. J'ai enfin fini aussi de tout ranger. J'ai tout mis dans le meuble qui est ici. Et maintenant que je l'ai fait, que j'ai placé tous les objets, je me rends compte que je vends vraiment très peu de choses. J'ai l'impression d'avoir tellement travaillé au cours des derniers mois pour au final 5 objets. Ce qui est quasiment rien, mais il y a des objets qui arriveront au cours du mois également. Il y a des notebooks qui arriveront normalement
ma fin du mois, et il y aura également les sets de cartes postales qui viendront plus en fin de mois. En fait, j'ai vraiment envie de mettre progressivement des objets, j'ai vraiment envie que ça tourne sur ma boutique, et que j'ai pas envie de faire comme d'habitude, c'est-à-dire mettre plein de choses dessus, attendre que tout soit vendu, fermer ma boutique pendant 6 mois, puis à nouveau l'ouvrir. Là, j'ai vraiment envie d'être créative. C'est pour ça, la plupart des objets seront imprimés en édition limitée, ou seront imprimés vraiment en petite quantité. Comme ça, bah, si ça vous plaît, faut acheter de suite. Je dis pas ça pour vous pousser à acheter ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est la réalité. Comme ça, dès que les choses sont vendues, bah, y aura une partie de l'argent qui ira à moi évidemment en tant que salaire, mais il y aura une partie de l'argent qui sera également réinvestie dans d'autres objets. Et j'ai vraiment envie que ça tourne à peu près tous les 2 mois. Voilà un petit peu pour l'explication. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai eu quelques petites modifications à la base. Je voulais vous faire 2 sets de stickers, je vous en avais parlé, mais je trouve que les stickers sont assez petits. Et je me suis dit que ça peut être plus intéressant de mettre les 8 stickers dans un seul set. Ça fait quand même une petite poche qui est beaucoup plus fournie. Et même en matière de prix, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous et pour moi. Parce qu'honnêtement, si je vous vends seulement 4 micro stickers, je doute qu'on arrive à s'en sortir et que j'arrive à donner un prix qui soit juste. Même par rapport aux frais de port et tout. Donc ouais, j'ai fait ça. Oh là là! Mais oui, dans le vlog précédent, je vous avais dit que j'avais acheté des choses au Géant des Beaux-Arts et je voulais vous faire un petit haul, je vous ferai ça plus tard. Et j'avais aussi commencé à filmer la préparation des pochettes Patreon. En fait, pour ceux qui me suivent sur Patreon et qui prennent le tiers le plus élevé, je vous envoie parfois des pochettes avec des choses que j'ai créées. Et cette fois-ci, je vous ai envoyé des produits en avant-première de ma boutique, dont justement les petites cartes postales. Alors, elles n'étaient pas forcément en format carte postale, c'était un format A6. Vraiment, c'était à la base pour faire un test, pour voir ce que ça donne, si ça marche bien ou pas. Et je pense honnêtement que ça marche bien et du coup, je les mettrai en vente aussi sur ma boutique. Donc voilà, aujourd'hui les amis, c'est une journée hyper chargée. En fait, cette semaine, elle est vraiment hyper chargée parce que ça va être la semaine qui va vraiment être dédiée à ma boutique. J'ai pas encore terminé tout ce que je suis censée faire pour l'ouverture. C'est-à-dire que je suis censée créer les fiches produits, il n'y a encore aucune fiche produit qui est prête. J'ai déjà fait toutes les photos, il faut juste que je les retouche aujourd'hui. J'ai fait un petit peu une liste de ce que je dois faire. D'ailleurs, vous le savez, je veille vraiment à avoir une to-do list qui soit à chaque fois hyper esthétique. En fait, chaque semaine, je colle des trucs et je fais vraiment quelque chose d'esthétique. Et vu que... j'écris pas non plus toutes les semaines tout ce que j'ai à faire. Parfois j'ai des semaines où je le garde juste dans ma tête et du coup j'ai des pages qui parfois sont vides. Et là-dedans en fait j'en profite pour écrire des choses par rapport à la gratitude, par rapport à ma vie personnelle et tout. Et c'est vrai que, je vais cacher mon copain, c'est vrai que j'ai tendance à faire des choses qui restent quand même mignonnes. J'aime vraiment trop écrire dans ce carnet et puis de faire quelque chose qui soit esthétique. Donc cette semaine j'ai noté tout ce que je dois faire, c'est vraiment une semaine mais qui va être hyper chargée. Et en fin de semaine, j'ai ma soirée d'anniversaire avec ma liste de courses de toutes les choses que je dois acheter. Et du coup, il faut vraiment que je jongle entre le pro et le perso. Après, franchement, je fais pas non plus une fête en mode projet X, mais il faut quand même que j'organise un petit peu ça au niveau des courses. Et il faut que je prépare à manger pour 10 personnes. Il faut que je relance un client pour un paiement en retard. En fait, je travaille avec... Enfin, c'est pas vraiment que je travaille. J'avais été contactée il y a maintenant bientôt 2 ans. Non, 1 an et demi à peu près, pour un partenariat sur Instagram. Et en fait, ça s'était fait via une agence d'influence. Et du coup, j'ai intégré l'agence via ce partenariat. Et on va dire qu'à peu près tous les 3 mois, ils me contactent pour de la création client. Donc c'est majoritairement créer des illustrations qui sont après utilisées sur les réseaux sociaux de la marque. C'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la création client pure et dure. Et je sais pas si c'est comme ça avec tous les clients, ou si c'est que avec moi, mais moi je suis jamais, mais quand je vous dis jamais, payée à l'heure, et tout le temps je dois les relancer, et c'est vraiment hyper chiant, genre jamais ils ont réussi à me payer à l'heure, je comprends pas pourquoi. Là ça fait 3 mois que j'attends 1200 euros, genre c'est énorme comme ça, 1200 euros, et du coup il faut vraiment que je les relance aujourd'hui, mais à chaque fois c'est la même histoire. Après je travaille assez rarement avec eux quand même, on va dire que c'est à peu près, ouais je sais pas, genre c'est peut-être 3 jobs avec des clients via eux dans l'année. Mais ouais, à chaque fois, il faut que je me batte pour être payée. Et je suis sûre que si je ne relançais pas, je ne serais très certainement pas payée. Maintenant, je vais commencer à coller les autocollants. Et je pense que je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, la première étape que je vais faire ce matin, en fait, vous voyez ici, vous avez les petits sacs en papier.
Et je vais les fermer en mettant cet autocollant ectomorphe que je vous ai montré dans le premier studio vlog. Donc ici, j'ai le rouleau et on va faire ça tranquillement ce matin. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser quelques questions, comme ça je pouvais faire un FAQ dans ce vlog. Et en fait, je réponds aux questions pendant que je prépare les petits sacs. Et le problème, c'est qu'avec le bruit du papier, c'est vraiment très pénible à écouter. Donc je ne vais pas vous mettre les séquences où je réponds aux questions, mais je vais plutôt y répondre en voix off lorsque je prépare par exemple mes commandes ou lorsque j'ai des plans qui sont un petit peu plus longs. Question. J'ai Eva qui me demande, t'arrives-t-il de recevoir des commentaires haineux sur ton travail et tu gères ça comment? Alors selon moi, il y a deux types de commentaires. Il y a effectivement tout ce qui est négatif, critique. Je ne parle pas forcément des critiques négatives positives, mais genre par exemple les gens qui vont dire qu'ils ne se portent pas à regarder mes vidéos parce que je suis prétentieuse. Ça je l'ai déjà eu certaines fois. Voilà, ça c'est négatif, ça me fait pas plaisir, mais bon, c'est comme ça. Et la haine à proprement parler. Par rapport à mon travail, j'ai pas de commentaires de haine. Par rapport à ma personne, j'en ai. Il y a vraiment des gens qui me supportent pas sur internet, alors voilà, c'est comme ça. Mais ouais, du coup, il y a des gens qui m'aiment juste pas en fait et qui peuvent pas voir ma gueule pour parler vulgairement comme certains peuvent le dire, tu vois. Et du coup, ben ouais, je me prends parfois de la haine, ça reste rare quand même, heureusement. Mais à peu près tous les mois, j'ai quand même quelques commentaires de personnes qui me supportent pas et qui m'insultent et. Ouais, certains commentaires qui sont vraiment très tendancieux, juste parce que ma tête ne leur revienne pas. Enfin, c'est triste, c'est vraiment triste. Comment est-ce que je le prends? Il y en a certains qui me font très rire. Franchement, il y en a vraiment certains, je suis là. Ok, d'accord. Et sinon, quand il y en a vraiment où t'as pas du tout envie de rigoler, enfin même les autres, bah de toute façon, dans tous les cas, je supprime et la personne est bloquée. C'est ma chaîne, mon espace, je fais ce que je veux sur cette chaîne. S'il y a des commentaires qui me plaisent pas, je les supprime. Après, sachez que je garde tous les commentaires, à part vraiment les trucs qui sont des insultes. Mais par contre, là où j'ai beaucoup plus de mal à comprendre, c'est que il faut quand même savoir que 80% de haine que je me prends, ça vient de la part de personnes qui pourraient être mes parents. Alors ça, c'est un truc, j'ai du mal à comprendre. Victoria Charlton, elle en avait parlé d'ailleurs sur Twitter et j'avais retweeté un truc. Ce sont des gens, franchement, qui peuvent être nos parents et qui écrivent des trucs. Et parfois, j'ai envie de leur dire, mais Martine, enfin, ça se voit sur ta photo de profil que t'as 60 ans, ça se voit dans tes playlists jardinage que t'as 60 ans. Pourquoi tu m'écris ça? T'as l'âge d'être ma mère. Est-ce que tu dirais une telle chose à ta fille? Enfin, certainement pas. Et ouais, c'est vraiment... Alors ça, j'ai plus de mal à comprendre. Ça, des fois, je suis énervée. Franchement, ça m'énerve et je me dis, mais... Enfin, éduquez-vous. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et ça me fait rire parce qu'on a quand même tendance à dire, ouais, les enfants, faut leur enlever la tablette. Mais franchement, les gars, enlevez les tablettes de vos oncles racistes. Enlevez les tablettes de vos tantes qui sont pas bien dans leur peau. Parce que eux, ce sont les pires. Mais vraiment, les commentaires, des fois, que j'ai pu me prendre, mais... Ouais, des fois c'est de l'énervement, mais après ça va, je gère assez bien ça. Ce qui va vraiment me toucher par contre, c'est certaines critiques qui sont peut-être mieux écrites justement de la part de personnes qui me suivent ou pas. J'avais eu l'année dernière des... J'ai même pas envie de revenir sur l'histoire parce que c'est un truc complètement débile. J'avais eu des critiques assez virulentes sur Twitter et on était venu remettre en cause justement mon entreprise, ma boutique Etsy, mon Patreon... Et là j'en avais pleuré, franchement j'avais pleuré, j'étais malade toute la nuit à cause de ça. Et je pense aussi que c'est important de vous en parler pour que vous sachiez que peu importe ce que vous écriviez sur internet ou peu importe ce que vous faites, ça se retrouve à un moment ou à un autre et faites attention vraiment à vos paroles. Mais après d'un point de vue général c'est vraiment très très peu la haine, hein, genre j'ai 98% d'amour, donc franchement je gère vraiment assez bien. Comment as-tu vécu le confinement en prenant du recul, points positifs et négatifs? Je vous ai fait un podcast sur Patreon à ce sujet, donc je sais pas trop si je développerai tout
ici, mais d'un point de vue général, je pense que j'en tire quand même du positif. J'ai vraiment été dans une galère sans nom pendant depuis le début du confinement, vraiment d'un point de vue financier. Mais du coup, ça m'a vraiment permis de me sortir de ma zone de confort et ça m'a permis de comprendre que j'ai un petit peu trop tendance à m'asseoir sur mes acquis en me disant bon bah ok, j'ai ma situation, j'ai mon Patreon, je touche un petit peu d'argent tous les mois, je touche mes 150 euros de YouTube tous les mois. Et même par rapport à mon style de dessin, tu vois, genre je fais toujours plus ou moins les mêmes choses. Et là en fait, le fait d'avoir été dans un stress, ça m'a vraiment permis de réfléchir et de me dire mais Luisa, bouge-toi les fesses, il faut que tu fasses plus de choses. Et ouais, je vais pas développer en entier, mais d'un point de vue général je tire du positif parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir et je pense que ça m'a permis également de gagner en maturité. Des conseils pour devenir végétarienne, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors là j'ai un truc qui me vient en tête, je vous mettrai en barre d'infos, il y a Andrea, c'est du passe par ici, qui tient un compte Instagram où elle fait des recettes véganes. Elle est végane et elle a fait, je sais pas si on a fait une ou deux, mais des IGTV où elle explique comment devenir végane. Et du coup, ces conseils peuvent carrément s'appliquer au végétarisme aussi. Puis ça t'explique comment est-ce que tu peux pas à pas commencer à transformer ton quotidien. Je pense qu'honnêtement, devenir végétarien, c'est super simple. Vraiment, devenir végétalien ça peut être un peu plus compliqué parce que mine de rien t'as quand même beaucoup de choses à retirer, mais végétarien enfin c'est très très simple à mon goût. Il faut juste voilà y aller progressivement. Par exemple, je sais pas si t'as l'habitude de manger 5 fois de la viande dans la semaine, bah, la première semaine tu décides d'en manger que 3, la semaine suivante tu décides d'en manger que 2, et puis progressivement comme ça jusqu'à complètement arrêter la viande. Ce que tu peux faire aussi c'est si t'es perdu au début, c'est juste de remplacer en fait la viande par quelque chose d'autre. Ce que je veux dire voilà, c'est que imagine tu fais une soirée avec des amis, vous commandez tous pizza, au lieu de prendre une pizza à la viande tu prends une pizza aux légumes. Si tu fais des wraps, au lieu de mettre du poulet dedans tu mets du tofu ou des légumes. En fait c'est ça, il faut toujours remplacer et tu te rends compte que ça se remplace hyper facilement. Dans n'importe quel endroit où tu vas il y a des options végétariennes. Enfin, être végétarien, franchement, c'est ultra simple, je trouve, surtout dans nos sociétés actuelles, parce qu'il y a de plus en plus de végétariens. Ce que je peux te donner aussi comme conseil, c'est de ne pas non plus trop te mettre la pression par rapport au fait de chercher des protéines, de remplacer la nourriture et tout. Moi, je me souviens que au début, lorsque j'avais voulu devenir végétarienne, c'était il y a 8 ans, c'était pas du tout un truc qui était aussi commun que maintenant, et c'est vrai que c'était un petit peu la paranoïa d'avoir tant et tant de grammes de protéines par repas, faire gaffe à tout ce que je mange et tout, alors que non, tu peux continuer à avoir envie de manger juste des pâtes au pesto, ou tu peux avoir envie de manger, je sais pas moi, des tartines avec, avec du beurre et de la confiture en fait. T'es pas obligé à chaque repas de manger du tofu, de manger des pois chiches, de manger des lentilles. Évidemment, il faut quand même que t'aies ton apport en protéines, mais il faut pas non plus être complètement cinglé par rapport à ça, hein. Et tu peux continuer à manger aussi des plats industriels, même si c'est très mauvais pour la santé, mais parfois, comme moi aussi, ça m'arrive parfois de juste me réchauffer des ravioles, hein. Il faut juste manger de la même façon que tu manges avec de la viande, sauf en retirant la viande. Voilà. J'en profite pour faire un petit instant self-promo. Je fais des vidéos justement, je vous montre ce que je mange dans la semaine ou sur quelques jours, comme ça vous pouvez avoir quelques idées si vous souhaitez vous lancer vers une alimentation un petit peu plus végétale. Une des choses que je fais généralement lorsque je cuisine pour gagner du temps, c'est cuisiner en grande quantité. Je trouve vraiment que la cuisson au four, c'est la meilleure. Comme ça, tu coupes tous tes légumes, tu mets tout sur une plaque, tu mets de l'huile, tes épices. Et après, tu enfournes pendant 20-25 minutes, un peu plus. Et pendant ce temps, tu as plein d'autres choses que tu peux faire. Et t'es pas obligé de rester derrière tes fourneaux en train de faire gaffe à la cuisson. Là, maintenant, je vais faire la vaisselle, je vais nettoyer et ranger. Donc vraiment, si vous cherchez un truc pour gagner du temps, investissez dans un four si vous pouvez. Dans mon vlog précédent, je crois qu'on s'était arrêté au moment où vous me voyez faire les courses au Géant des Beaux-Arts. Et c'est vrai que je ne vous ai pas encore montré ce que j'ai acheté. J'avais envie de vous faire un petit haul. Donc, j'ai tout d'abord acheté
j'espère que ça fait pas trop de bruit, une boîte de crayons de couleur, parce que justement j'aimerais me lancer un petit peu plus dans tout ce qui est crayons de couleur pour ajouter du grain dans mes dessins. J'ai pris cette marque que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà eu une autre boîte d'eux, je vais vous montrer, qui sont les Pro Color, mais là cette fois-ci j'ai acheté les studios, je vous afficherai à l'écran un petit peu la différence entre les deux. Je les recommande très vivement, je les trouve très bien. Cependant, j'ai commencé à faire un dessin. En fait, dans le vlog précédent, vous me voyez un moment faire un portrait et je vous dis que je ne suis pas du tout satisfaite. Du coup, j'ai fait ce personnage ici. En soi, j'aime bien. Franchement, enfin, j'aime l'idée et tout. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est ultra grossier. Genre les yeux et même tous les détails, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, une gamine qui a dessiné ça. Et en fait, je me rends compte même dans les dessins que j'ai l'habitude de faire, ils sont pas ultra détaillés. Encore celui-là, ça va. En fait, j'ai décidé de refaire le portrait en beaucoup plus grand. Et je vais un petit peu le retravailler. Et je vais faire... En fait, je vais faire un portrait avec différentes techniques dessus. Et pour le coup, j'ai fait tous les détails avec le crayon. Et je trouve qu'il n'est pas non plus ultra foncé, par exemple le crayon noir. Donc pour le crayon noir, j'ai fini par utiliser un Faber-Castell. Et je le recommande un petit peu plus que celui-là de la marque Derwent. Mais pour le reste, je les recommande très bien. J'ai payé la boîte, alors c'est quand même un budget, la boîte m'a coûté quasiment 50 euros je crois, ou 45, je ne sais plus exactement. J'avais eu droit à une promo pour mon anniversaire, mais quand même... Je vous retrouve dans ce format pour continuer le haul parce que malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas du tout les plans suivants. En fait, d'un coup, la vidéo s'arrête. Pourtant, je vous ai bien parlé de tout le matériel que j'utilise et je vous ai même fait une review par rapport aux peintures que j'utilise. Mais je suis incapable de trouver ce plan sur mon ordi. Donc, je vais vous montrer juste comme ça les différents... pinceaux que j'ai acheté également ce jour-là. J'ai décidé de me tourner uniquement vers des pinceaux synthétiques parce que c'est vrai que c'est une chose à laquelle je faisais pas forcément attention. En fait, j'y pense pas toute ma vie, j'ai acheté des pinceaux sans trop me poser de questions, mais c'est vrai que la plupart des pinceaux sont faits avec des poils d'animaux et j'ai pas du tout envie de cautionner ça. Donc les premiers que j'ai achetés, ce sont ces pinceaux qui sont d'une collection Léopard, je trouve ça rigolo d'ailleurs. Du coup, ce sont des pinceaux de la marque, alors je vais le prononcer je pense comme en allemand, ça doit se prononcer très certainement Gerstecker je pense, et je les recommande très 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 vivement. Je les ai payés moins cher parce qu'ils étaient en promotion, ça c'est une édition spéciale, c'est l'édition Léopard, et pour les références je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai acheté un autre pinceau, celui-ci, je sais pas... Ah si, pareil, celui-ci c'est un synthétique, qui vient de la marque Carel, KRL, ou Raphaël, je sais pas en fait, je connais pas du tout les marques de pinceaux. Celui-ci est assez classique, je voulais vraiment un pinceau qui soit ultra fin. On a également un pinceau Da Vinci, que je trouve vraiment très bon également. Regardez pas trop mes doigts, je fais de l'eczéma de contact, mais ouais... J'aime vraiment celui-ci. Et je termine par un autre qui vient du coup de la marque Raphaël. Donc ça aussi c'est un Raphaël en fait. Avec une sorte de... je sais pas, une sorte d'embout en mousse. Et ouais, celui-ci j'aime beaucoup aussi. Après vraiment mes gros coups de cœur, ce sont ceux-là que je trouve vraiment excellents. Alors lorsque je dessine, j'utilise deux types de peinture pour le moment. J'ai pas encore testé de la gouache mais... peut-être que je testerai à l'occasion. En tout cas, concernant ce que j'utilise à l'heure actuelle, j'utilise principalement de l'acrylique dans mes illustrations. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour la marque Le Frambourgeois. Je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment bons en ce qui concerne l'acrylique. J'ai déjà testé du coup d'autres marques. J'ai également testé la marque PBO. Vous avez été hyper nombreux à me la conseiller. J'ai testé différentes couleurs et également, je ne sais plus trop ce que c'est comme marque. Je vais vous la chercher. Et j'ai testé également cette marque qui est la même que les pinceaux, du coup Gerstecker. Et de toutes les marques franchement que j'ai testées, Le Frambourgeois numéro 1. Vraiment numéro 1, moi je les adore. Moi j'ai un énorme coup de cœur pour la marque Winsor & Newton, qui sont mes préférés. Je crois que cette tablette, je l'ai depuis la fac, donc autant vous dire que ça va faire bien plus que 5 ans que j'ai cette palette. J'ai juste changé certains godets qui sont abîmés. Ensuite j'ai également eu l'occasion de tester une palette de chez Daylor & Rowney. C'est pas mauvais, mais je rachèterai pas. Voilà, moi perso, ce sont mes préférences, je suis un petit peu moins fan. Et ensuite, j'avais eu l'occasion sur Instagram, vous savez, de faire un partenariat avec une marque de d'aquarelle faite main, faite en France, 100% vegan, éco-responsable, enfin vraiment une marque qui se veut durable en fait, et qui est vraiment engagée dans l'environnement. Et c'est la marque du coup Pigmentarium. Le Pigmentarium, pardon.
Et ceux-là, je les recommande fois 40 millions. Vraiment, j'adore. Je ne suis pas du tout payée pour en parler. Sachez-le, si je vous recommande un truc, ben, je vous le recommande. Là, par exemple, je vous ai dit que je n'étais pas trop fan de la marque PBO. Et je ne suis pas payée pour le dire ou quoi que ce soit. Mais ceux-là, vraiment, ce sont mes préférés. Ensuite, j'ai passé l'après-midi à faire les photos pour ma boutique, du coup à prendre en photo les petits produits. Faut savoir que pour les photos, bon déjà je pense pas que je sois la plus douée au monde, mais je me débrouille quand même un petit peu. Pour ma part, j'ai pas investi dans du matériel professionnel, j'ai tendance à utiliser par exemple des vieux vêtements, à utiliser mon téléphone portable ou utiliser tout simplement des choses que j'ai. L'astuce que je peux vous donner, c'est par exemple de ne pas hésiter à acheter des fonds dans les magasins d'art. Vous savez, vous avez des grandes planches A4, A3 en couleur et vous pouvez les utiliser justement pour placer vos produits dessus. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire, mais là, vu que j'étais pas allée en ville, j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais et j'ai pris en photo dans différentes pièces de la maison. Je vous recommande aussi de regarder la lumière selon la pièce de la maison. Là, sur ce plan, vous me voyez un petit peu bleuté et un petit peu plus jaune dans un autre plan. Et pourtant, ces deux vidéos ont été prises exactement au même moment avec les mêmes réglages. C'est tout simplement en fait que dans une pièce, le soleil va venir taper sur la fenêtre et dans une autre, j'ai plus d'ombre. Donc ça, si ça va venir influencer au niveau de la couleur de vos petits objets. Et ensuite, moi, ce que j'ai décidé de faire une fois que j'ai pris les photos, c'est que je fais les retouches sur Photoshop. Alors, soit je retouche sous Photoshop, soit je retouche sous Snapseed. Snapseed, c'est vraiment mon application préférée. C'est avec celle-ci que je retouche toutes les photos pour mon Instagram. Et pour la boutique, j'ai également utilisé des mock-ups. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. D'ailleurs, j'ai fait un article sur Shine, si jamais ça vous intéresse. Des petits conseils pour ouvrir votre boutique Etsy. C'est un petit peu le résumé de ma vidéo qui a déjà été publiée. Mais en clair, les mock-ups, c'est un fichier dans lequel tu vas pouvoir intégrer ton image de façon à pouvoir créer soit un faux fond, un faux salon, un faux cadre, enfin bref, de façon à créer une image fictive. Et moi, c'est de cette façon que j'ai créé cet effet. Donc, il est 15h58, 2 minutes avant la mise en ligne de la boutique. Je pense que je vais la mettre là en ligne à 1 ou 2 minutes près, c'est pas grave. J'ai le cœur qui bat tout vite, vous n'arrivez pas à vous imaginer. Pourtant, c'est un truc tout bête, je ne vais vraiment pas mettre la pression, mais j'ai tellement travaillé dessus que je vais enfin voir tous les efforts être récompensés. C'est vrai que j'ai vraiment la sensation d'avoir énormément travaillé sur ma boutique pour au final avoir peu de résultats. J'ai l'impression que je vends vraiment peu d'objets.
Mais c'est complètement normal lorsque tu bosses sur une boutique en ligne, il y a tellement de travail à faire en amont et c'est pas forcément un travail qui est équivalent après au produit que tu vas mettre en ligne. Mais ouais, je vais enfin voir le résultat là de mois et de mois de travail. Enfin, pas en soi de mois et mois de travail. Hein. Genre, j'ai travaillé, je crois, pendant 4 semaines à peu près sur la boutique. Mais ça fait maintenant plusieurs mois que j'attends. Ça a été hyper dur pour moi, le confinement, surtout d'un point de vue financier. Et je me dis que tout ça c'est enfin terminé, je vois enfin la lumière au bout du tunnel, façon de parler, et j'espère que ça va fonctionner. On est 15h59, du coup notre boutique est active, etsy.com/shop. Faut que je mette une story sur Instagram, je vais faire ça de suite pour vous indiquer que c'est bon, que c'est en ligne. Genre j'ai mis ma boutique en ligne genre il y a même pas une minute. Et il y a déjà plein de gens qui ont rajouté des trucs dans leur panier d'achat. Genre, comment c'est possible? Il est 16h et il y a déjà... Je me trompe, il y a déjà 15 personnes qui ont rajouté des trucs dans... Oh, c'est trop... J'ai déjà ma première commande. Oh, c'est trop bien. J'ai même pas le temps de faire la story. J'ai déjà 8 commandes. En 2 minutes, il y a déjà 8 personnes qui ont acheté des trucs sur ma boutique. Oh, c'est trop bien. C'est trop cool. Enfin vraiment là je sais pas trop comment je réagis, mais je vous filme vraiment mes réactions à chaud parce que ça vous permet aussi de voir que lorsque vous soutenez un petit créateur, vous soutenez pas uniquement financièrement, mais c'est tout un rêve que vous soutenez. Et je sais pas, je suis trop contente en fait. Moi franchement, c'est mon rêve depuis toujours de vivre ma passion et c'est possible maintenant depuis 2 ans et c'est grâce à vous. Je prépare les commandes pour répondre à certaines questions en voix off. Vous allez voir que dans les 6 prochains jours, en fait, vu que ce vlog est divisé en plusieurs parties, je vais préparer des commandes. Je vais vraiment me retrouver à travailler pendant 6 jours d'affilée en non-stop à juste préparer des commandes tant vous avez été complètement dingue sans ma boutique. Je sais pas quand vous regarderez ce vlog, mais il se peut comment vous regardez ce vlog, il n'y ait plus trop de choix sans ma boutique, ce qui est normal parce que plein d'objets sont arrivés en rupture de stock, ce qui est complètement fou, mais vous inquiétez pas, je remettrai des nouvelles choses. Donc concernant les petites questions, j'ai quelqu'un qui me demande, j'ai une question, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te reconnaisse? As-tu des anecdotes par rapport à ça? Alors oui, on m'a déjà reconnu quelques fois, je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre. J'ai pas vraiment d'anecdotes, j'en ai une que je pourrais raconter. On va pas dire que ça s'est mal passé la rencontre, mais j'ai eu une rencontre qui était assez particulière, façon de parler. Je pense parce que la personne était très excitée de me voir en vrai et puis ça m'avait particulièrement gênée. Et on était un petit peu toutes les deux hystériques. Au-delà de ça, j'ai pas vraiment d'anecdote. Ce qui est rigolo, c'est que plus d'une fois, on m'a reconnue à l'étranger. Je pense qu'on m'a autant reconnue lors d'un voyage que à Toulouse, ce que je trouve vraiment hyper étonnant. Jeanne me demande, as-tu des regrets? Je pense comme n'importe quel être humain, on a tous des regrets. Moi, j'ai fait des choses dans ma vie, surtout au niveau des relations humaines, dont je suis pas forcément fière. Je sais que j'ai fait du mal à beaucoup de personnes et il y a plein de choses que je regrette, et si je pouvais revenir en arrière, j'aimerais revenir en arrière parce que parfois le pardon ne suffit pas. Mais je pense que c'est comme n'importe quelle personne, parfois on fait des choses peut-être par manque de maturité ou parce que à ce moment-là la situation elle est faite comme ça, et c'est souvent avec du recul qu'on se rend compte que on n'a pas forcément bien réagi et puis on peut finir par le regretter. On me demande, tu avais parlé de développer des objets textiles, quelles sont tes premières idées? Alors, je vous avoue que toute la question textile, elle est assez compliquée à aborder parce que moi, dans l'idéal, j'aimerais vraiment proposer des produits qui soient éthiques. Et je pense que produire de l'éthique, c'est complètement envisageable, peut-être à
plus grande échelle. Là, je sais que si par exemple je propose des t-shirts ou des tote bags ou vraiment des choses en échelle plus réduite, est-ce que j'arrive vraiment à m'en sortir financièrement si je fais produire ça en Europe par exemple? J'en doute. Donc pour le moment, c'est assez compliqué. Moi, je sais dans tous les cas que si je propose quelque chose de textile, je veux que ce soit complètement clean. Peut-être me tourner vers les friperies, vers la seconde main, pourquoi pas récupérer des t-shirts, me mettre à faire de la couture. Je sais pas, il y a plein de possibilités qu'on peut envisager. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport à ça, je suis preneuse. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment faire quelque chose qui soit le plus clean possible et je veux absolument pas produire mes objets textiles dans d'autres pays parce que ça n'aurait pas de sens. Donc ouais, s'il y a des gens qui ont des idées ou même s'il y a des gens qui bossent un petit peu dans ce domaine et qui peuvent m'éclairer, je suis complètement ouverte à vos conseils. Et je vais terminer par la dernière question d'Elisa qui est « Comment trouves-tu la force de ne pas tout laisser tomber lorsque ça ne marche pas ?» Je trouve cette question vraiment excellente parce que plus d'une fois, on a tous été découragés. Et même moi, je vous partage très souvent mes moments de découragement parce que je pense que c'est important aussi de décomplexer par rapport à ça et de vous dire que c'est ok d'être découragé et que ça arrive à tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal lorsque je parle par exemple de mes sentiments négatifs parce que vous éprouvez de la pitié par rapport à moi, parce que je vous fais de la peine, mais c'est la réalité en fait. La vie, elle n'est pas tout en fun, il y a parfois des moments où tu as juste envie de tout abandonner. Moi, la première des choses, lorsque je me sens démotivée, que j'ai envie de tout abandonner, je me permets d'être démotivée. Ça peut être quelque chose qui peut paraître un petit peu stupide quand je vous le dis comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui on est dans une société où on montre tout le temps la réussite, on montre tout le temps la productivité. Sur internet, il y a vraiment la course à celui qui sera le plus productif, à celui qui montrera au mieux son entreprise. Et j'ai l'impression que plus tu fais, mieux c'est, et qu'on montre que les succès de tout le temps. Et c'est vrai que tu peux peut-être avoir de la pudeur et te dire, en fait, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de craquer, alors que si, t'as complètement droit. Donc parfois, je pleure, j'ai des crises de larmes et d'un coup, ouais, j'ai juste besoin physiquement d'extraire à l'intérieur de moi tout ce qui va pas. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Pleurez. Si vous pleurez, il y a peut-être des gens qui pleurent pas, mais en tout cas, évacuez ce qui va pas et surtout n'ayez pas de pudeur par rapport à ça. Ça veut pas dire que vous êtes fragile, ça veut pas dire que vous êtes plus faible, ça veut pas dire que vous êtes pas fait pour ce milieu, c'est juste que vous êtes humain. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, si vraiment tu te sens démotivé, que tu as envie d'abandonner, sois bien entouré, sois entouré de gens qui croient en toi, de personnes qui sont là pour t'encourager. Moi, je sais que dès que je craque, mon copain est toujours là pour me rassurer, pour me dire ce que j'ai envie d'entendre, comme par exemple me dire, il y a 2 ans, souviens-toi, tu n'étais même pas capable de payer un loyer. Aujourd'hui, oui, tu en es capable, alors c'est sûr que tu n'arrives pas encore à vivre de ci ou de ça, mais aujourd'hui, tu en es là, regarde tout le chemin que tu as parcouru déjà en 2 ans. Donc vraiment, soyez entouré par des personnes qui croient en vous et des personnes qui sont là pour vous écouter. Ensuite, n'oubliez pas une chose, et je pense que ça, je l'ai déjà dit plus d'une fois dans une vidéo, mais lorsqu'on dit qu'une chose ne marche pas, c'est pas forcément que ça ne marche pas parce que vous ne gagnez pas d'argent. En fait, l'argent ne veut pas dire réussite. Ça, c'est super important de vous le rappeler aussi. Vous pouvez vous pouvez réussir dans votre entreprise sans forcément générer beaucoup d'argent. Je sais que surtout quand on monte son entreprise, moi la première, on a tendance à voir la réussite de celle-ci selon le chiffre d'affaires, selon le salaire. Alors que non, tu peux avoir du succès dans ton entreprise, même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Essaie de voir en fait ce que tu apportes aux autres, ce que tu t'apportes à toi, toutes les choses que tu as déjà accomplies. Et ça peut te permettre justement de voir les avancées. Et dans la même idée, un autre conseil, n'hésite pas à revenir en arrière sur ton parcours, à te dire, ok, aujourd'hui j'ai l'impression que ça marche pas parce que, je sais pas moi, je dis une bêtise, je gagne que 200 euros par mois. Mais est-ce qu'il y a 8 mois, tu gagnais seulement 200 euros par mois? Ça se trouve, il y a 8 mois, tu étais dans un boulot que tu détestais, tu étais hyper malheureuse, tu n'avais qu'une envie, c'était te lancer en tant que freelance. Et regarde tout le chemin que tu as déjà parcouru en 8 mois. En 8 mois, tu as eu le courage de quitter ton boulot, tu as eu le courage de te lancer, tu as eu l'occasion d'apprendre énormément de choses, de faire face à beaucoup d'épreuves. Et en fait, tu es vraiment sorti de ta zone de confort. Alors oui, tu ne gagnes pas encore un SMIC à l'heure actuelle, mais tu as déjà parcouru énormément de choses. Alors imagine où tu seras dans 8 mois. Ensuite, je vous conseillerais également de relativiser et de vous dire que si ça ne marche pas maintenant, c'est peut-être que ça marchera plus tard et peut-être que ce n'est pas le bon moment. En fait, si une chose ne fonctionne pas dans la vie, ça ne veut pas dire forcément que c'est un échec. Moi, je vous en ai parlé dans cette vidéo justement de mes débuts
Et vous voyez en fait au début que ça ne marchait pas, que j'ai dû me prendre des boulots à droite et à gauche et que ça a pris, je sais pas, 2-3 ans jusqu'à ce que je puisse enfin vivre de ma passion. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis mais en fait si ça marchait pas au début, c'est juste que j'avais pas le bon style de dessin, c'est que j'étais pas assez mature, c'était que j'étais pas dans une situation dans laquelle je pouvais me lancer en tant que freelance. Donc parfois la vie, elle te met certains signes sur ton chemin en te disant ok, si maintenant ça marche pas, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais terminer ce vlog. Normalement, on se retrouve dans un prochain studio vlog. J'ai commencé à nouveau à filmer où je prépare plein de commandes. C'est vraiment un vlog autour de la préparation de commandes. Je pense que ça vous plaira. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est trop cool. Je suis trop contente. Merci pour tout. J'espère que ce vlog vous aura plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. C'est vraiment bête, mais moi, ça m'aide vraiment à me développer. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez créatifs et on se dit à très bientôt.